conférence des visions de Paul Burry hier matin, et puis nous avons parlé pas mal d'intelligence artificielle et d'art du futur. Maintenant, nous revenons un petit peu quand même sur le sujet avec l'art de la lenteur, bien connu, et du mouvement lent de cet artiste génial qu'est Paul Burry, avec Tommy Lawson. Et Tommy va le prendre aussi par le prisme de la création sonore, car il est créateur, designer sonore. Il est aussi directeur du Festival des Arts Sonores Zone Libre à Bastia. Nous avons le plaisir d'y animer un parcours d'art sonore en ville qui ne cesse de grandir. Voilà, nous passons donc à... Nous revenons un peu vers Burry, mais pas que, avec l'art de la lenteur. Plutôt que d'essayer cette acrobatie improbable d'énumérer Paul Burry dans une ère de l'IA, c'était plutôt de faire le travail à l'envers et de se dire qu'on était peut-être arrivé au point zéro et qu'il fallait peut-être revenir sur la genèse de tout ce travail, de toute cette réflexion qu'ont mené des artistes comme Burry sur cette notion de la lenteur, sur cette notion du mécanisme presque statique. Et j'ai voulu aussi pousser un peu par provocation, un peu comme Raldoun hier, aller sur une autre thématique de la lenteur électronique pour faire une mise en miroir du travail de Burry sur la lenteur avec d'autres artistes qui sont vraiment des contemporains et qui sont dans une couleur musicale, une couleur sonore que j'affectionne particulièrement et qui est aussi un élément qui influence beaucoup mon travail de créateur sonore, c'est-à-dire ce travail plastique sur l'abstraction du son, une abstraction qui peut partir de l'immobilisme et arriver vers un mouvement très très lent. Et donc là, on joue sur des micro-mouvements, sur des micro-variations dans le son pour lequel il faut donc prendre le temps d'écouter, prendre le temps de voir et d'entendre passer les événements et de comprendre un peu ce lent processus de la lenteur. Donc, j'ai voulu mettre en miroir donc Burry avec non pas ses contemporains, mais un mouvement qui était juste à l'oreille lui de sa carrière, le mouvement des futuristes. Donc je trouvais que c'était intéressant de le citer dans une forme d'accélération, dans une forme de frénésie et même de violence sonore autour du bruit par rapport justement à ce travail de lenteur, ce travail un petit peu déstabilisant de Burry. Donc les dadas et les surréalistes dont il faisait partie ont épousé aussi une partie de ces théories des futuristes, mais avec quand même un point infranchissable qui était la non-violence. Et donc les futuristes, eux, prenaient même une certaine forme de violence pour retourner la table à l'époque. Donc c'est un mouvement, je vais le développer un peu plus tard, qui est né au début du XXe siècle en Italie et qui n'a pas duré plus de 20-30 ans. Donc c'est vraiment la connexion entre la fin de ce mouvement et le début de Paul Burry. Et puis aussi ces interrelations entre sonorité, entre fabrication d'un son, d'une temporalité dans le son, auxquelles ont voulu aussi échapper des artistes beaucoup plus contemporains qui, eux, utilisent vraiment le médium numérique. Donc c'est pour ça aussi que j'avais mis en sous-titre d'aller subvertir un petit peu la création numérique par la lenteur, parce que outre-Atlantique et puis plus proche de nous, en Allemagne, au milieu des années 80 jusqu'à présent, est né un courant qui, comme Burry face aux futuristes, se sont positionnés un petit peu en contre-révolutionnaire. C'était donc un mouvement underground qui est né dans un autre mouvement underground. Le premier qui est la techno, et ce deuxième mouvement underground qui est né, c'est toute la palette de ce qu'on appelle la deep techno, dub techno, techno minimal. Donc c'est comment ces artistes ont voulu aussi sortir du jeu frénétique et de cette techno très mécanique, très, très industrielle, notamment à Detroit et puis Chicago. Et on comprendra aussi que j'ai voulu faire une analogie entre le passé industriel de la Louvière, qui était la ville natale de Burry, et donc comment il a pu en être imprégné et comment son travail s'est développé dans cette historicité. Et puis comment aussi ces quatre artistes, donc deux américains, un de Detroit et un de Chicago, et ce n'est pas aussi anodin, puisque Detroit est une ville industrielle qui a beaucoup morflé aussi dans les années 80 et qui a été
le creuset de toutes sortes d'artistes dont je citerai les noms un peu plus tard et qui sont assez connus. Et donc voilà, il y a cette analogie entre ces villes qui ont connu leur heure de gloire à une époque industrielle et qui ont périclité et qui ont bien évidemment généré une certaine forme de malaise, de mal-être. En tout cas, pas tant que ça chez les créateurs, puisque ça a permis à certains de sublimer leur travail, nous emmener dans des territoires peut-être qu'on n'aurait pas espéré. Et puis deux autres qui sont plus proches de nous, géographiquement parlant aussi, qui sont deux Allemands, Mauricio von Notzwald et Ernestus, qui eux aussi, dans la lignée des deux Américains dont je parlerai un peu plus tard, ont voulu ralentir cette frénésie de la techno et ramener une musique plus abstraite, plus hypnotique, plus minimaliste. Et donc, c'est moi, ce qui m'intéresse dans mon travail sonore également, c'est prendre ce temps. Et prendre ce temps, je le prendrai également par rapport à ce parcours géolocalisé que je suis en train de fabriquer dans le cadre de la Biennale Artur. Et ça faisait aussi le lien avec l'héritage de Paul Bury, puisque ça m'a permis de m'approprier la Louvière, d'aller à la rencontre de certains lieux, de certaines de ses œuvres qu'on voit, et puis de faire ce travail à rebours et de me dire comment je peux interpréter l'héritage de Bury dans sa ville natale avec un parcours géolocalisé et comment je peux de façon fictionnelle le ramener dans un présent que lui a toujours voulu ralentir. Donc cette création d'up-techno minimal électronique se rapproche de mon savoir-faire en plus du paysage sonore et de l'écologie sonore, puisque j'aime bien faire le grand écart entre ce qui est technologique et ce qui l'est un petit peu moins. Et puis, le travail de Bury qu'on va découvrir à travers quelques extraits sonores que je vais vous passer tout à l'heure, et aussi un extrait sonore de ces artistes de la techno minimale. Donc voilà, ça c'était un petit peu en liminaire comment je voulais structurer un petit peu mon intervention. Lorsqu'il a commencé à mettre en mouvement certaines de ces sculptures, qu'on peut aussi appeler objets sonores, qui étaient des aplats, mais qui n'avaient pas de volume dans l'espace, puisque c'était vraiment des aplats muraux. Et toute une partie de ces pièces ont été, pendant ma visite de l'exposition, vraiment l'endroit où je me suis arrêté le plus, parce que voilà, là, on rentre vraiment dans le cœur de la lenteur, de comment ces œuvres deviennent hypnotiques, donc ce qui a été mon cas, puisque je me suis arrêté et j'ai pris le temps. Et justement, il faut prendre le temps, parce que c'est là où je trouve qu'il a fait un travail génialissime, c'est-à-dire qu'il crée cette attente, justement. On sait qu'il va se passer quelque chose. Quand, comment, combien de temps, ça, il faut le temps pour le découvrir. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on traverse de manière fugace, comme ça, et puis on a dit, on a vu, contrairement, justement, aux œuvres visuelles, notamment dans l'art numérique, où voilà, on est bombardé de contenu au niveau visuel, le son demande un temps, demande une temporalité qui est un petit peu différente. Et ça, je ramène aussi ça par rapport à ma pratique de preneur de son, c'est prendre du son ne prend pas le même temps que prendre une photo. Même si je prends aussi des photos et que même si parfois la posture est la même, prendre du son demande un état, demande une attente, demande une écoute, demande une temporalité propre. On guette le son, on est à l'affût parfois des accidents, on n'en souhaite pas, on les rencontre. Mais en tout cas, le temps qu'il faut pour enregistrer et pour avoir de la matière pour travailler, il est long. Il est long. Alors on peut travailler sous forme de pastilles, sous forme de petits glitchs comme ça, mais moi je nourris ma philosophie aussi autour du son à travers cette notion du temps et de l'attente. Voilà. Donc il y a véritablement un esprit bulle, au-delà de l'éloge de la lenteur. Alors ça, j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai commencé ma présentation par cette confrontation que je voulais faire entre l'esprit justement Bury et l'esprit des futuristes. Et ça m'a semblé évident puisque je parle de lenteur, je parle d'une certaine posture, je parle d'une certaine philosophie. Et ces deux visions du temps et du son se sont télescopées à distance, je dirais, puisque voilà, il n'y a pas eu de porosité entre ces deux modes de création. Mais en tout cas,
J'ai intitulé cette partie Podbury versus les futuristes. Les futuristes, eux, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils exaltent le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines et la vitesse. Donc déjà, avec la vitesse, on est aux antipodes de la démarche de Bury. Et puis en plus, ils prônent l'amour de la vitesse, ainsi que la nécessité de la violence, puisque, voilà, dans un des manifestes, ils vont jusqu'à souhaiter de renverser la table pour réveiller un petit peu cette Italie qui croule sous un certain anachronisme et des pratiques archaïques. Et naît aussi de cette théorisation du son et des bruits une nouvelle approche du phénomène sonore avec l'art des bruits. L'art des bruits qui est ce manifeste qu'a écrit Luigi Russolo et qui est paru en 1913, donc on était déjà bien en amont de Bury. Et dans ce manifeste, on va retrouver les pans théoriques de ce que va être par la suite la musique concrète, la musique électroacoustique, et comment même des pionniers comme Pierre Schaeffer ont pu s'appuyer sur ces notions, ces conceptions, pour développer une nouvelle forme de narration, en tout cas une nouvelle façon de qualifier les sons et une nouvelle façon d'agencer les sons pour produire de la musique ou non, ça aussi, ce sont des débats. Donc, qui étaient vraiment ces futuristes, très rapidement, à l'instar de Paul Bury, avide d'innovation, n'a cessé de se renouveler en adoptant des matériaux et techniques très divers, toujours à la recherche du mouvement, réel, élan, presque imperceptible, là où les futuristes italiens de la première heure font de la vitesse et du mouvement mécanique un idéal esthétique et moral. Paul Bury a su jouer à merveille de l'attente du regard avec la lenteur propre à ces objets cinétiques qui combinent l'imperceptible et le déclenchement d'espaces vacillants. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de poésie déjà autour de ce qu'on peut attendre dans cet énoncé. Les futuristes, alors qui sont-ils? C'est un mouvement donc littéraire et artistique qui est né au début du XXe siècle en Italie, qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines et la vitesse. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un peu comme une espèce de leitmotiv. Ce mouvement est né autour du poète Filippo Tommaso Marinetti, entre autres avec son manifeste du futurisme en 1909. Les premiers peintres du mouvement, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gino Severini et Luigi Russolo, qui est en fait la figure de proue qui est restée à travers ce manifeste, exaltent les formes, les rythmes, les couleurs et les lumières pour exprimer une sensation dynamique, énergique des structures multiples du monde visible. Rapidement, deux directions graphiques se dégagent. La représentation du mouvement affirmé comme un état dynamisme universel et le conflit des corps dans l'espace. Le futurisme prône l'amour de la vitesse et la machine, et ainsi de suite. Donc vraiment, on insiste sur, j'allais dire, cette exaltation de la vitesse et des machines. Alors Russolo, entre autres, à travers une théorisation de la notion du bruit, fait l'apologie du son. C'est ainsi, selon lui, qu'il se différencie du son et de la musique. Il parle du bruit. Russolo commence à faire un classement du bruit, à chercher ses caractéristiques, chose à laquelle personne n'avait pensé avant. Cette nouvelle approche du phénomène sonore fait son apparition dans l'art des bruits, qui est donc détente. Le duo a su se démarquer des artistes reconnus comme, vous allez peut-être reconnaître certains noms, Joan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson, Eddie Fawkes, Jeff Miles, Robert Hood, Carl Craig, Kenny Larkin, Underground Resistance. Et Underground Resistance, donc le nom de ces derniers, rappelle justement les luttes de la communauté noire et ouvrière sur fond des droits civiques à la fin des années 80, voire même milieu, fin des années 70, milieu des années 80. Pardon ? Qui plus est, de toute une communauté d'ouvriers frappés par la récession, le chômage et les difficultés sociales qui ont nourri cette musique quasi-industrielle. Donc là, je reviens à cette analogie entre la ville de la Louvière, ce déclin industriel, au même titre qu'une ville comme Detroit, qui était vraiment la ville ouvrière de l'industrie automobile et qui a connu un déclin aussi assez sinistre. Donc ce déclin nourrit quand même de la créativité chez certains artistes. Et on doit ce mouvement techno à ce contexte dans lequel ont vécu et ont travaillé ces jeunes artistes à l'époque, qui le sont beaucoup moins maintenant. Donc en opposition toujours à cette manière typique de faire de la musique avec des instruments électroniques, comme le Roland TR-909, Roland TB-303, Yamaha DX-100,
peut-être que certains spécialistes reconnaîtront, le duo va s'orienter vers des outils plus analogiques au grain vintage avec des unités de reverb à ressort, des délais à bande, etc. Donc je tenais aussi à faire cette comparaison entre le tout numérique de ces modules de création que j'ai cités, le Roland TR-909 et le Roland TB-303, sont vraiment des groovebox, des machines à faire du son, typiques de ces années-là, dont se sont servis des tas de créateurs, mais dans une forme systématique. Et ce qui était intéressant chez Model et HL, c'est qu'eux ont voulu retrouver cette vibration, ce grain, ce son analogique qui ne passait pas forcément par une surenchère de moyens. Et là où j'ai trouvé aussi leur positionnement intéressant, c'est tout comme Von Hotzfeld et Ernestus, c'est qu'ils ont vraiment su faire l'alliage entre l'électro européenne ou nord-américaine et ce travail de dub jamaïcain. Dub jamaïcain, juste une petite parenthèse, cette appellation est devenue un vrai style musical aussi, mais est née d'un accident. Le dub jamaïcain est né de l'accident de celui à qui on le doit, qui s'appelle King Tubby, qui, avec un de ses assistants, au début des années 70, au moment de masteriser, une fois que la galette était pressée, ils se sont rendus compte que l'assistant avait oublié de pousser les faders des voix. Donc ils ne se sont retrouvés qu'avec la basse et la batterie, qui est rhythm and bass, ce que les Jamaïcains appellent vraiment le cœur du reggae. Et ils se sont rendus compte qu'en gardant cette base et en traficotant les pistes avec injection de délai et autres, on arrivait à faire quelque chose de tout aussi intéressant que le reggae avec les voix. Et en général, dans un groove assez lent. Très lent. Donc c'est pour ça, merci Philippe, que j'insiste justement sur cet alliage de la lenteur, parce qu'ils se sont servis de cette technicité de la techno-industrielle pour ramener le tempo à quelque chose de vachement plus lent, de vachement plus sensuel, et un peu en acte politique. Et donc je conclurai très rapidement sur l'évolution de ces deux duos pour arriver à une décélération qui explique pourquoi j'ai voulu intituler mon propos « Ralentir ». Donc, rappel des techniques du studio du dub jamaïcain, c'est ce que je viens de faire. Tour à tour, Echo Space, Deep Chord, CV313, Variant, Intrusion et d'autres pseudos qu'utilisent pour brouiller des pistes manifestement, mais également pour garder captif toute une communauté qui suit régulièrement leur production et leurs concerts à travers le monde. Donc, ces deux artistes ont une myriade d'avatars qui leur sert à se produire sous différents noms, sous différentes formes. Une description critique de leur univers pourrait être la suivante. Massif, road trip urbain dans une civilisation sous-marine, un dub techno qui colle au corps, dans l'urgence et relégué en arrière-plan, toujours en mouvement, une artère dont les flux sont soutenus mais troubles, lointains, tandis qu'au plus près de nos oreilles, c'est une formidable mixture composite, aquatique, organique, qui nous happe par la cohérence de son écosystème. Sous toutes ces appellations, le duo travaille sur des longs formats de 18 à 60 minutes par piste. Donc l'atmosphère est instantanément parlante, les pistes prennent le temps de se développer dans une narration abstraite sur laquelle s'échouent des vagues électroniques et des crépitements évanescents, des beats sourds en infrabasse et un environnement qui ne cesse jamais de se transformer, lentement mais sûrement avec des paysages qui semblent immobiles, hypnotiques. Je fais l'impasse sur Rhythm and Sound, sinon je perdrai trop de temps. Je finis donc mon propos sur ce rapport au ralentissement, à la lenteur qu'inspire à la fois l'œuvre de Bury, mais aussi le courant musical dub électronique ou dub minimaliste, produit par des interfaces audio-numériques bénéficiant d'un gros apport d'électronique. Mais l'ambiance sonore est planante, la structure musicale est extrêmement épurée, les mélodies réduites à leur plus simple expression sur une section rythmique très simple. Donc il est cependant, à travers cette philosophie, puisque je le prends aussi comme une philosophie de vie, comme un art de vivre et comme une posture d'artiste. Donc il est cependant possible de refuser cette fatalité accélérationniste en défendant et en produisant des contenus caractérisés par des rythmes plus lents, plus sensuels, hypnotiques, qui peuvent s'inscrire dans une démarche politique plus large, voire un style de vie, un rapport au monde, qui se traduit par le ralentissement. Cette approche musicale du temps, ralenti, servira de point d'ancrage, donc à un travail de collecte d'échantillons, que je vais faire, pour réaliser, sur les sites abritant des œuvres de Podbury dans la ville de la Louvière, un corpus de sons ambiants qui va me servir de matière à création pour à la fois le parcours géolocalisé, mais pour un projet aussi plus sonore, indépendamment, que j'ai nommé Ralentir.